Bonsoir chers internautes, bonsoir chers contacts. Je fais encore une vidéo parce que j'arrivais pas à m'en empêcher. Voilà, je commence à prendre l'habitude, mais il fallait que je réponde absolument à cette information que j'ai eue là. Parce que je ne peux pas laisser passer des mots qui n'ont aucun sens venant d'insectes, de racailles, de rikiki, de rapetis. Vous savez de qui je parle. Toi, Yapobi, là, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Si ce n'est pas parce que la nature a été clémente avec toi sur le point de vue études, réussite intellectuelle et tout ça, toi, tu vas passer dans la rue, qui va te regarder? Toi, Yapobi, là, tu vas passer dans la rue même, qui va faire attention à toi? Tu es un insecte, tu as vu qu'on marche tous les jours dans notre vie, là. Malheureusement, sans faire exprès, on marche sur des fourmis, on marche sur des petits insectes même qu'on ne voit même pas qu'ils sont invisibles. C'est comme ça que tu es. Tu as compris? C'est les billets de banque là qu'on peut prendre, qu'on peut brûler puis ça disparaît là. Malheureusement, ça disparaît aussi. Puis ça ne va même pas dans la tombe. Ça veut dire que les billets là restent sur terre. Si on en fait, on en fait ce qu'on veut et puis la personne qui meurt là prend son chemin. Toi, tu te lèves toi comme ça, comme tu es là. Il paraît qu'il y a eu des missions rien à cacher. Je ne sais pas si c'est ce matin ou bien hier. Où tu vas te mettre pour dire, il y a une vieille femme là, l'année dernière, qui dit que j'ai abusé d'elle. Je ne sais pas ce que tu as dit d'autre, hein, parce que la personne m'a juste fait cette phrase là. Toi, dans ton comme ça là, dans comme tu es là, toi tu vas venir m'insulter aussi, moi vieille femme. Moi vieille femme aujourd'hui. Toi tu vas coucher avec une petite fille de 20 ans, dans 10 ans tu vas la traiter de vieille femme, bien sûr. Quand j'avais eu ma relation avec toi, Victor, j'avais à peine 21 ans. J'étais une petite fille. Les petites filles que tu es en train de prendre pour faire un proxénétisme présentement. Là. Les petites filles qui ont été élues présentement. Là. Dans 10 ans, ça te permet de dire aussi qu'elles sont vieilles. C'est mon cas. Il y a 10 ans en arrière, tu avais déjà 50 ans passé là. Quand tu as eu une relation avec moi. Et puis, tu as télévé aujourd'hui pour m'appeler vieille femme. Moi, j'ai dit la dernière fois, si ce n'est pas parce que je viens me présenter en tant que maman. C'est qui peut savoir que moi, j'ai une fille de l'âge d'Esther? Qui? Le temps passe très vite, hein, messieurs, dames. Le temps passe très, très vite. Sinon, toi, tu as te lever pour m'appeler vieille femme aujourd'hui. J'étais une petite fille dans tes bras là-bas. Malheureusement, hein, ta taille, tu ressembles à rien. On dirait mini-pousse, là. Né de jardin, là. Hein? Bon, il y a quelque chose de bien aussi que Dieu t'a donné. C'est ta pine qui est devant toi, là. Voilà. Bon, c'est pas le las des las. Mais c'est pas mal. Quand tu prenais ça, puis tu montais sur moi, fia, et mes petits reins. Et puis je me mettais nue dans la douche, et mes jolies fesses derrière. Puis tu me regardais, tu dis, Yasmina, ma star. Yasmina, ma star. Tu as oublié. Aujourd'hui, moi, tu m'appelles vieille femme. Moi, la petite fille sur qui tu montais, là, tu m'appelles vieille femme aujourd'hui. C'est l'avantage des hommes. Hein. Ils peuvent voir un bébé naître. Ils vont sortir avec la petite 10 ans, 20 ans après. Ça, c'est l'avantage de l'homme, en fait. Voilà, donc il peut se permettre d'appeler les gens vieilles femmes. Tu es malade. Il y a des filles qui sont dans le showbiz présentement, qui sont mes grandes sœurs, qui sont mes tatas, mes tantes. On les appelle pas vieilles femmes. C'est moi vous appelez vieilles femmes. C'est moi qui suis votre vieille femme. Regardez seulement, j'arrive. Viens vous montrer ce qu'on appelle vieille femme. Vous êtes malade ou bien? Qu'aux vieilles femmes, vieilles femmes. Toi aussi, tu as te levé pour venir insulter les gens. Tu te vois, tu t'es regardé. Tu te regardes dans une glace. Espèce d'erreur de la nature que tu sois. Toi, tu as t'élevé pour venir m'insulter. Il y a un petit qui est en prison présentement, Mike Danone, là. Va à sa place là-bas. Va te présenter volontairement à la mata là-bas. Faut tendre tes deux mains, hein, te menoter, puis tu vas rentrer là-bas. Parce que lui n'a rien à faire là-bas. Il a de l'avenir. Toi, tu as fini d'abuser des gens. Oui, oui, tu as abusé de moi. Les gens disent, pourquoi moi j'ai dit tu as abusé de moi? Je répète encore, ça fait deux fois que je dis ça dans les vidéos. Le mot abuser là, c'est parce que quand j'étais fâchée que je criais à l'hôtel Ivoire, j'ai crié tu as abusé de moi parce que quand je sortais avec Yapobi, j'avais 21 ans. Et dans ma colère, je criais tu as abusé de moi pour dire que j'étais une petite fille quand lui-même il a profité de moi. Aujourd'hui, ma fille se présente à un concours, tu truques les résultats. C'est dans ce sens que je me suis énervée, puis j'ai crié, tu as abusé de moi. Et j'ai toujours dit que j'avais commencé déjà mes phrases, mais les gens sont venus en plein milieu de mes cris pour filmer. Donc, les gens n'ont pas pu filmer ce que je disais dès le départ. Proxénète, là. Faut prendre Lynn Jabin. Vous allez aller vous dénoncer volontairement là-bas. Regarde-moi, c'est malhonnête, là. Vous n'avez pas honte.
en train de te promener à gauche, à droite pour faire. Moi, je connais tout votre groupe là, que vous appelez des boss, les grands types là. Je connais tout votre groupe par cœur. C'est votre travail, vous avez l'habitude de faire ça. C'est devenu une seconde nature chez toi. Toi-même, il n'y a pas oublié dans ta famille là. On ne tue pas les enfants pour devenir riche. Hein? On ne tue pas les enfants pour devenir riche. Ça là, c'est rien pour toi aussi. Les enfants qui ont disparu beaucoup, beaucoup à Abidjan là-bas là. Toi-même là, tu es dedans aussi. Tu es dedans aussi. Les gens n'ont qu'à te supporter. Vous êtes là, vous buvez du sang humain pour devenir riche. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Ta famille à Cocody là, j'étais même pas encore née. Quand on dit dans ta famille, vous couchez, le papa couche avec sa propre fille. Hein? Ou bien sa propre petite fille. Dans votre famille là, vous êtes des démons, vous êtes des diables, vous êtes des sorciers. Voilà. Vous avez signé des pactes avec le diable. Vous buvez du. Vous avez tué un bébé de votre famille. Je ne sais pas si c'est une de tes nièces ou un de tes neveux. Vous avez tué pour devenir riche. Un membre de ta famille, c'est pas si c'est ton grand-père ou je ne sais qui. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des démons. Et puis tu es là, tu es en train de t'exposer partout. Tu n'as même pas de conscience. Mais Dieu va vous punir un à un. Continuez. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites là. Continuez. Moi, Yasmine, tu suis là. Vous ne pouvez pas me toucher parce que je suis un enfant de Dieu. Les épreuves que je vis là, c'est Dieu qui permet ça. Parce que quand tu dois être glorifié, tu dois être élevé par le Seigneur, il te fait passer par, il te fait surmonter des choses difficiles. Voilà. J'ai voulu vraiment, vraiment, j'ai souhaité de tout mon cœur qu'on respecte le classement de ma fille. J'ai voulu qu'elle gagne. J'ai voulu que ma fille soit Miss Côte d'Ivoire. Oui, oui, parce que ma fille le mérite tout aussi. Vous connaissez l'histoire de ma fille? On n'a pas du tout eu la vie facile. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on se bat, on lutte, encore, on est dans les épreuves. Mais on sait qu'on est des princesses. Voilà. Toi, tu sors d'où et puis tu as venu te lever pour venir m'insulter. Les gens qui disent qu'ils vont appeler les djihadistes pour venir me prendre là. Hein? Djihadistes pour venir me chercher là. Venez à Yapobi, prenez un avion et puis venez garer devant ma porte ici et puis venez me chercher. Venez me chercher et puis prenez vos armes, Yacobi, et puis découpez chaque partie de mon corps, mettez dans vos sauces pour manger et puis vous allez devenir riche comme Yacobi. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Bande d'idiots, d'idiotes que vous êtes. Vous êtes là, vous passez votre temps à m'insulter, vous passez votre temps à faire truc. Il y a plein de chanteuses qui dansent matin, midi, soir là-bas. Elles sont plus âgées que moi, vous ne les appelez pas vieilles. C'est moi que vous appelez vieilles. Imbécile que vous soyez. Votre mère con, bâtard.